Je suis Christophe Lanuzel, responsable de l'agence AOL Intérim sur Brest. AOL Intérim est un groupe breton où il y a 11 agences au total. Nous faisons partie du groupe Ergalis, un groupe en fait qui est présent sur le territoire national. Nous cherchons tout type de profils dans des secteurs tels que la logistique, le bâtiment, le domaine tertiaire, secrétaire, assistant d'accueil, des postes de ce type-là. Nous sommes aussi présents dans l'agroalimentaire, dans le service en général. Nous recherchons des personnes sur des postes qui peuvent être de longue durée, mais aussi de courte durée. Certains de nos clients recherchent des personnes pour un jour ou deux. Les conditions d'embauche sont principalement la motivation et le courage. Nous demandons aussi à ce que les personnes aient des équipements de sécurité, des chaussures de sécurité. Certains postes sont à pourvoir sur Brest, d'autres en dehors de Brest, ce qui fait que pour certains postes, il peut avoir nécessité d'avoir un véhicule. Tous les ans, et même en fait pendant les périodes de vacances de février par exemple, je peux très bien avoir besoin de personnes pour faire du nettoyage, notamment du nettoyage après incendie. Alors, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui intervient sur des débuts d'incendie qui ont eu lieu chez des particuliers ou des professionnels. Nous mettons en ligne des annonces que vous pouvez trouver sur Pôle emploi ou sur d'autres sites. Vous pouvez tout simplement envoyez votre CV via notre adresse mail agence362@aolintérim.fr. Vous pouvez autrement tout simplement passer à l'agence avec votre CV et vous présenter. C'est aussi quelque chose qui est plus intéressant puisque nous ça nous permet en fait d'avoir déjà un premier contact avec la personne et poser des questions sur les motivations des personnes, sur les disponibilités, sur ce qu'elles souhaitent faire, ce qu'elles sont capables de faire ou ce qu'elles ne se sentent pas capables de faire. Donc le mieux, c'est de venir en agence. Situé au 30 rue Fautras, donc au centre-ville de Brest.